musique, s'il vous plaît. À la quatrième place, Xavier Lubin, Camille, Edouard, Ophélie Metz et Margot Laville. C'est parti en musique. Et nous sommes sur un championnat de France, merci quand même de les applaudir très fort. Fédéral, c'est cette catégorie bonnet peu élite. De ce championnat de France poney E élite. Nous sommes donc ici en présence bien de Franck Maury qui représente la Fédération française d'équitation. Franck Maury et toute son équipe, encadrée par Pascal Piulac, qui font tout pour vous donner le maximum ici, la bonne organisation du parc fédéral sur ces événements, et notamment ici sur le Solon Pony. Merci à Franck Maury qui va récompenser à la quatrième place de ce championnat de France. Eh bien, c'est Xavier Lubin. Xavier Lubin, Préti de Garenne, une poney Connemara. Xavier Lubin nous vient du département de l'Oise, jeune terrier blanc. Bravo monsieur pour ce quatrième prix à l'occasion de ce championnat de France. Vous êtes invité à rejoindre le podium. On va faire une photo avec les trois cavalières, bien sûr. Vous pouvez rentrer sur la carrière si vous avez des photos à faire. N'hésitez pas. Donc, en partenariat avec l'Association nationale des poneys français de selle et la Fédération française d'équitation, à la troisième place, vous pouvez venir tenir les poneys, s'il vous plaît. À la troisième place de ce championnat de France, je vous demande d'applaudir très fort Camille Edouard. Camille Edouard, troisième avec Royal Light d'Opale. Elle nous vient du Pony Club Centre Équestre d'Off, Pas-de-Calais. Allez-y, troisième marche du podium avec vos applaudissements pour Camille. Ouais, Camille. Vice-championne de France, poney E élite 2013, Ophélie Metz. Avec Nanette Lichez. Elle nous vient donc du Limousin, les écuries d'Arcadie. Et puis on descend de poney, vous avez devant vous, et bien la championne de France, poney E élite, Margot Laville. Plus fort, s'il vous plaît, Margot Laville. Avec Nomad de la Mare, poney club, donc ici du GNT, c'est la Seine-Maritime. Bravo. Les récompenses, c'est parti donc à la quatrième place, c'était donc Xavier Lubin. La médaille de bronze, les félicitations de la Fédération française d'équitation, représentée ici par Franck Maury, c'est Camille Edouard. On peut un peu dire, effectivement. Oui. Qui nous vient du Pas-de-Calais, poney club et centre équestre d'Off. Vice-championne de France, c'est Ophélie Metz. Et enfin, la championne de France 2013, la médaille d'or, le trophée, le flot bien sûr, aux couleurs de la Fédération française d'équitation. On applaudit très fort Margot Laville. Avec la photo bien sûr de ce podium aux côtés d'Aude, représentant
l'Association nationale du poney français de selle, Franck Maury pour la Fédération française d'équitation. Voilà la photo de ce podium et de ce championnat poney E-Elite. Margot Lamine, Ophélie Metz, Camille Edouard et Xavier Lubin. Voilà, un grand merci au Parc Fédéral, à la Fédération française qui nous offre ce championnat avec MenPFS. On se remet à bonnet. Attends, on va refaire une photo. On va refaire une photo. Revenir sur le podium. Revenez. On refait une photo. Et puis il manque quand même quelque chose d'essentiel. Marseillaise. C'est bien sûr la Marseillaise. Merci de, messieurs, de se découvrir. Ah bah quand même. Les coachs s'il vous plaît, pour vous avoir écouté pour la photo. Les coachs, merci de venir jusqu'à nous. Allez, allez. Voilà, donc c'est la photo avec les coachs. Et donc bien sûr, excellent de cette victoire ici de Margot Lavilliers, Marseillaise. Championne de France 2013, Margot Lavilliers. Bravo, on se remet à poney cette fois-ci, bien sûr, on clôture ce championnat de France catégorie poney E-Elite avec le plaisir maintenant pour nos cavalières, bien c'est le tour d'honneur en musique, s'il vous plaît, vos applaudissements pour Margot, Ophélie et Camille. Yeah Regardez nos champions ici de France, poney E-Elite. Merci encore, bravo pour bien cette belle prestation et ce championnat de France E-Elite ici sur le Parc Fédéral.